to the beach, each, let's go get a wave. They say, what they gonna say? Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two shit. I'm on the floor, floor. Dans quelques secondes. Voilà, c'est parti pour cette épreuve d'ouverture avec un bon départ pour Dinner Star également. Tough Stuff très sollicité, Sporty Josh et Allez Rouge va se mêler à la lutte. Mais pour l'instant, Dinner Star garde la corde devant Tough Stuff, Sporty Josh en épaisseur de leur sillage. Destination suit dans le sillage des animateurs. Il est accompagné à l'extérieur par Bless Arabian. Allez Rouge également un parcours difficile. Ensuite, il y a Booze, Mobs Chief et rejoint par Optimum Josh en pleine descente. Donc, à 900 mètres du poteau avec Dinner Star qui contrôle toujours les opérations, rejoint maintenant par Sporty Josh qui va forcer l'allure à l'extérieur. Dinner Star, Sporty Josh, ensuite Destination qui suit toujours très très bien en troisième position et côté corde, accompagné à l'extérieur par Tough Stuff, ensuite Hopes and Desires, Blessed Arabian. Dans leur sillage, il y a les rouges, rejoints par Optimum Josh, Booze et Mob Chief qui se partagent les deux dernières places. Les chevaux sont à 350 mètres du poteau avec Sporty Josh qui a toujours le meilleur. Voilà que Dinner Star passe franchement à l'offensive lancée par Ram Mitou. Voilà, Dinner Star va tourner en tête avec Sporty Josh qui fait de la résistance. On tente d'arriver le long du rail avec Destination, mais Dinner Star a mis le nez devant avec Destination qui tente de revenir. Dinastar, Destination, Destination, Dinastar, Dinastar va s'imposer devant Destination, Hopes and Desires et Sporty Josh. Starships, we're meant to fly. Voilà, c'est parti pour cette septième épreuve avec Obama qui va tenter de partir. Point of Policy, pour l'instant, le mène la vie un peu dur et garde la corde. Ensuite, à l'arrière, il y a Captain James Cook qui condamne Dinner Star à son extérieur. Cassido est en cinquième position, Wave Dancer sixième. Ensuite, il y a Roman Batten accompagné par Blue Reef, Gymnast et Paul of Gold qui se retrouvent en queue du peloton alors qu'on entame la descente. Avec Obama finalement qui a pris les choses en main devant Dinner Star qui court sur son arrière-main en troisième position bien placée. Et il y a Point of Policy rejoint à son extérieur Wave Dancer. Ensuite il y a Captain James Cook, Blue Reef, Gymnast, Cassido, Paul of Cole et Roman Batten botte à botte fermant le cortège. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir. Wave Dancer va durcir l'épreuve. Lancé quelque peu par Pritam Debi. Obama est toujours en deuxième position. Dinner Star troisième. Point of Policy toujours bien placé en quatrième position. Il est rejoint maintenant par Blue Reef. Se rapproche Gymnast. Captain James Cook encore bien dans le coup. Avec Paul of Cole qui commence son effort. Les chevaux vont aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Wave Dancer qui va tourner en tête avec Dinner Star qui va mettre la pression à l'extérieur. Mais Wave Dancer a toujours l'avantage avec Dinner Star qui termine de plus en plus fort. Dinner Star a mis le nez devant, lancé par Jérôme Lhermitte. À l'arrière, on tente d'arriver avec Captain James Cook, mais Dinner Star va s'imposer. Deuxième Wave Dancer, troisième Captain James Cook. Et la première de Jérôme Lhermitte pour le compte de l'écurie Maigro avec Dinner Star dans cette septième épreuve. C'est parti pour cette épreuve de clôture. À bon départ pour City of Choice à l'extérieur. On se bat pour se placer avec Zanhu qui montre du pas également. Donc Zanhu pour l'instant a l'avantage devant City of Choice mais reste à l'extérieur. Kilerian également insiste, tout comme Red Lotus qui tente de surmonter son couloir extérieur. Zanhu a pris les barres mais laisse partir Kilerian qui est déjà talonné par Red Lotus. Ensuite City of Choice se retrouve en quatrième position. De leur sillage il y a Pieces of Eight accompagné à l'extérieur par Dinner Star. À deux longueurs il y a Appeal Bond. Ensuite Manta Ridge et Easy Foe Salute the Saint. À 600 mètres du poteau, il y a toujours lutte pour le commandement. Avec finalement Red Lotus qui va partir devant Kilerian. Zanhu a déboîté à l'extérieur. Se rapprochant le long du rail, City of Choice. Dinner Star reste bien dans le coup. Tout comme Appeal Bond qui suit Dinner Star comme son ombre.
Puis Suzovey est également là, Mentaric qui tente de recoller alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Red Lotus qui va tourner en tête avec Zanhu qui va mettre la pression à l'extérieur, Dinastar également là, puis Suzovey qui tente de s'amener tout comme City of Choice, mais Red Lotus a toujours l'avantage à l'extérieur, Dinastar termine de plus en plus fort, City of Choice également là, Dinastar complètement à l'extérieur, va aller s'imposer dans cette épreuve de clôture. Et le coup de deux pour Jérôme Lhermitte, après avoir mené à bon port Lilinus, le voici qui remet ça avec Dinastar dans cette épreuve de clôture. Voilà, c'est parti pour cette épreuve de clôture. Count Me In a très bien sauté cet après-midi avec Dinastar. Sirac également tente de surmonter son couloir extérieur. Donc Dinastar et Keep Walking se disputent quelque peu le commandement. Mais Dinastar pour l'instant a l'avantage devant Keep Walking. Sirac est troisième. Count Me In quatrième. Ensuite Burberry qui est accompagné à l'extérieur par Santos. Alors qu'on passe au Tombeau Malartic à 1000 mètres du poteau. Dinastar donc a toujours l'avantage avec de longues d'avance sur Sirac qui court à l'extérieur de Keep Walking. Count Me In est quatrième. Ensuite on retrouve Burberry tout juste devant lui, Santos à son extérieur. Bientôt plus que 650 mètres à parcourir et se dirigeant vers la rue du gouvernement, Dinastar a toujours l'avantage devant Keep Walking, toujours accompagné par Sirac. Count Me In tente de se rapprocher. Santos également, sur qui Gaëtan Faucon demande l'effort. Burberry se retrouve en dernière position alors qu'on va... On est à 300 mètres du poteau, on va aborder la cour pour entrer en ligne droite finale avec Dinastar qui va toujours très très bien à l'avant. Avec Keep Walking qui tente de revenir, monter à plein bras, Carmine également lancé. En pleine ligne droite finale, Dinastar a toujours l'avantage. À l'extérieur, on tente d'arriver avec Keep Walking, Carmine, mais Dinastar a toujours l'avantage. Et va aller s'imposer dans cette épreuve de clôture. Dinastar s'impose, Carmine deuxième, troisième Keep Walking, quatrième Santos. Dinastar s'impose en quelques secondes. Voilà, c'est parti pour cette quatrième épreuve avec un très bon départ complètement dehors. Il y a Steel of Approval à l'intérieur, Count Emmanuel, Steel of Approval. Sur les bas, il y a N2B en quatrième position, Sheriff Marshall qui court à l'intérieur de Bongo Beat. Puis arrive Dinastar complètement dehors, il fait l'extérieur de Princeton, I Wanna Dance, Tube Wave. Et en dernière position, Pattaya Beach. On abordera le poteau du 2400 mètres dans quelques foulées avec Steel of Approval qui semble-t-il va prendre le commandement. Et Steel of Approval devant Count Emmanuel en troisième position à l'extérieur de Count Emmanuel. Into Bongo Beat, puis Into Bibé 4ème. Il court à l'intérieur de Dinastar par Sheriff Marshall qui court à l'intérieur de Princeton. Puis arrive I Wanna Dance Tube Wave, toujours en dernière position. Pattaya Beach, environ 700 mètres à parcourir pour là. C'est Steel of Approval et Corner Off qui mène la danse. Steel of Approval devant Bongo Beat, condamné à l'extérieur de Count Emmanuel à 3 longueurs. Arrive Dinastar qui fait l'extérieur de Into Bibé. Puis arrive Sheriff Marshall qui court à l'intérieur de Princeton, complètement dehors. Il y a I Wanna Dance Tube Wave, Pattaya Beach à 300 mètres de l'arrivée. Toujours en tête de la course, Steel of Approval, Bongo Beat, Count Emmanuel est troisième. Et Dinastar passe à l'extérieur de Count Emmanuel dans la ligne droite finale maintenant. Avec toujours Steel of Approval accroché par Bongo Beat. Complètement dehors, il y a Dinastar à l'intérieur. Count Emmanuel, Dinastar lancé par Jack Lal. Dinastar a fait la différence, semble-t-il, devant Bongo Beat et Count Emmanuel. Dinastar va l'emporter dans cette quatrième épreuve. Victoire facile de Dinastar devant Count Emmanuel peut-être. Il a surmonté le handicap de sa ligne, Dinastar.